Je vais vous expliquer dans cette vidéo, les gens, comment avoir un maximum d'honneur dans League of Legends très rapidement. Alors c'est une technique qui marche parce que c'est une technique que j'ai souvent faite. Et en vrai, chaque jour, j'avais un point supplémentaire. No joke, hein, je faisais juste 10 games de 3v3. Alors moi, pour avoir plus de chance, je vais jouer des trucs un petit peu... bon. Ne me jugez pas. Je vais vous expliquer comment. Alors, on va prendre... vous pouvez jouer aussi... Je vous conseille de jouer des supports. Mais du support qui prennent pas les kills. Là, j'ai pris Lux. Bon, j'ai un petit peu merdé. J'aurais dû prendre Soraka. Ok, je vous explique la stratégie. En 3v3, jouer contre les bots en niveau intermédiaire. N'allez pas en niveau beginner, parce qu'en niveau beginner, il y a souvent les gens qui rushent les levels. Ils vont tous à la botlane, ils se mettent en mode mute full all, ils regardent un film à côté, leur série, ils s'en battent les couilles de la game, ils honorent personne, basta, let's go. Jouer en intermédiaire, c'est des gens qui commencent le jeu, parfois, qui galèrent peut-être parfois dans le jeu, et du coup, tu vas les aider. Donc là, il y a deux lanes en 3v3. Il y a celle en haut et celle en bas. Tu vas aller là où il y a déjà quelqu'un. Par exemple, Kaisa est au top, Mundo est au bot. Tu vas par exemple aller au top avec Mundo. C'est une simple idée. Tu vas l'aider, tu vas lui donner 2-3 kills. Il va être, oh trop bien, Lux m'a donné des kills. Je vais l'honorer inconsciemment, tu vois, inconsciemment et tout. Ensuite, tu l'as assez aidé. Il peut commencer à 1v2, tu l'aides par-ci par-là. Et là, tu commences à aider Kaisa. Pour pas qu'elle se sente un petit peu tout seule. Et là, elle va se dire, oh là là, elle m'a donné 2-3 kills. Et brah, t'as les deux honors. Et avec les deux honors, t'auras le truc genre, waouh, t'as été honoré par toute l'équipe. Boum, tu fais 10 games comme ça. C'est bon, t'es honor 3, t'es honor 4, t'es honor 5. Vite fait. Je vous jure, je fais ça pendant une semaine, je suis honor 5 avec mon compte. Alors oui, autre chose. Spammez les émotes. Spammez pas trop. Mais écrivez pas trop dans le chat. Faites pas les mecs en mode, c'est parti les amis, ouais. Non, ça les gars, je le reporte le mec qui fait ça, ok. Ne faites pas ça. Surexagérez pas. Ouais, c'est ça. Faites pas trop les cons. Et s'il y a un mec qui commence à taper la discussion, parle avec lui. Il faut absolument pas que l'autre commence à parler avec lui. Sinon, tu vas être isolé, ils vont s'honorer entre eux. Ok? Voilà, ça c'est ma stratégie. Tout a été élaboré. On va évidemment partir sur du supporting. Là, tu fais... Qu'est-ce que ça? Can I sup you? Et là, mec... La strat honor en quoi? Mais tout est calculé, les gars. Vous allez voir, hein, je vais avoir deux honors, quoi qu'il arrive. Et là, tu vois, Kessa, elle va être en mode... Oh, je voulais finir la game très vite. Oh, allez, c'est gentil. Putain, mais elle est AFK. Non, par contre, si elle est AFK pour mon exemple, c'est pas ouf. Oh, c'est bon. Yes, elle vient top. Pour ceux qui se demandent, ouais, mais moi, à chaque fois, ils sont en pre-made, etc. Si la pre-made est déjà groupée, fais genre, tu commences le jeu et tu sais pas jouer. Tu fais genre, ah non, je veux jouer avec quelqu'un, je suis vraiment nul. Et là, ça passe, tu vois, ils auront pitié de toi, c'est magnifique. Donc là, on prend évidemment 0 kill. Ne prenez 0 kill, hein. Il faut que la Kaisa se sente forte. Vous voyez la Kaisa? Elle ne sait pas jouer aux jeux vidéo. Vous voyez là comment elle se déplace. Elle ne sait pas jouer. Et c'est très bien. Bienvenue à toi, Kaisa. Ça me fait plaisir que tu joues à League of Legends. Vraiment, vraiment. Mais du coup, on va la support. On va lui donner mass kill. Alors par contre, ça va être difficile de lui donner des kills. Parce que même... Ah là, là, il faut que je vous montre un gif, les gars. Vous allez voir, c'est spécial. Il faudrait que je passe niveau 2, en vrai. J'aurais pas dû prendre... Putain, j'aurais pas dû prendre... Là, tu lui dis, vas-y, qu'est-ce ça? C'est pas grave, qu'est-ce ça? Eh, on l'aura après. Eh, bien vu, on l'avait presque, lui. Hop, tu fais un petit GG Mundo. Un petit GG Mundo, tu vois, il a eu comme le premier sang, je crois. T'es capable! Nice! Et là, tu claques un bon gros nice. Hop, avec des emotes kawaii. Ah oui, il faut investir hein, dans les emotes kawaii, c'est quand même assez important. Le pouce peut faire l'affaire. Mais les emotes kawaii sont quand même stylés. J'avoue, complimenter sur le skin, c'est bien pour ouvrir une discussion. Bien vu, Emerald Snyder. En vrai, très 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 bien vu. Hop, tu ping. On prend pas le kill. C'est pas grave. Bien vu, Emerald. Attends, quand elle va back, on va complimenter sur le skin. Quand elle va back... Ouais, attends, fais attention. Faut surtout pas la laisser mourir. Si tu peux mourir à sa place, c'est parfait. Hein. Ne la laisse pas mourir. Tout est calculé, les gens. Je fais des formations pour gagner des honors, si vous voulez, en 3v3. Quel adjectif on pourrait trouver pour son skin? Tranquille, awesome. Ou psych, S-I-C-K. Ça aussi, c'est pas mal. Et en vrai, je le pense vraiment. Il est vraiment beau. Pretty, elegant. Maybe. I love your skin. Aussi, ça marche aussi. Vous avez vu, le chat est là pour vous aider. C'est magnifique. Là, on l'aide encore 2-3 minutes.
On lui donne encore des petits kills. Ah c'est bon, là on a eu les deux, c'est pas mal. Jamais tu flashes pour un kill, hein. Tu flashes pour la sauver, c'est tout. Flasher pour la sauver, c'est la meilleure preuve d'amour que quelqu'un peut te faire. Là je fais genre, oups, j'ai oublié de réactiver mon E. Mais c'était absolument pas pour prendre le kill en fait. Je voulais absolument pas prendre le kill. Ok, on va aider le Mundo vite fait. Je lui dis que j'arrive. Ouais, il fait des émotes, lui c'est bon, il m'a donné l'honneur. Là tu vois cette émote, ça veut dire qu'il a donné l'honneur. C'est bon, c'est gagné. Alors faut pas en laisser trop non plus, parce qu'il faut pas que les autres ils se disent, ouais Kessa elle a tous les kills et c'est trop bien joué. Oh merde, je lui ai pris le canon, ah va m'en vouloir de ouf là. Aïe aïe aïe, grosse erreur du joueur. Français, futur canadien peut-être, on sait pas. Oh merde. Oh putain j'ai tout raté. Mais pourquoi la hache bouge pas? Ok, et là tu t'excuses de ouf, là t'as pris le kill. Et là, boum, c'est bon, là c'est parfait. Et là tu vois, il te dit all good. Et là il se sent comme un homme. Et c'est bon, t'as gagné le cœur de Mundo. Ça fonctionne de ouf. Technique, hein, j'ai fait exprès évidemment. Faites semblant de rater vos sorts pour faire genre vous êtes vraiment fort. Voilà. Genre faites semblant de rater des sorts pour... Faites le mec un petit peu nul. C'était évidemment fait exprès, hein, de ouf. Donc là, le Mundo, il a dit... Pas de problème, je vais être honor, y'a pas de soucis. Donc lui, c'est bon, c'est fait. C'est pas qu'il faut pas avoir de race, mais faut vraiment être honor 0. Tu fais cette technique quand vraiment t'es honor 0 ou 1 et que tu veux les récompenses de fin de saison, en fait. Mais faites pas trop les mecs chiants, genre. Faites pas trop, genre... Pouvoir de l'amitié, super, genre franchement merci beaucoup. Franchement t'es mon best friend maintenant et tout. Juste quand le mec il fait des kills, tu lui laisses le kill et quand il fait un kill, tu fais une émote. Ou tu lui dis GG ou des trucs comme ça. Mais ne spam pas trop dans le chat, sinon ça devient redondant et c'est chiant. Laisse les tours aussi. Les nouveaux joueurs pensent que quand ils prennent les tours, c'est grâce à eux et tout. Laisse les tours. Là j'ai pris la tour comme un débile, je suis désolé. Oh putain. Non, oui. Oh putain mais il est super chaud lui. Information les gars, Riot laisse 3 mois apparemment. Non, 3 mois ça me paraît long. Hein. Apparemment vous pouvez encore monter Honor 2 pour avoir vos récompenses. Alors par contre, le gros problème, si vous tombez sur des mecs qui font la même technique que vous, ça va être gênant. Je pense que ça va être gênant et je pense que ce serait limite rigolo un petit peu. Je suis pas là. La teup, hein. J'ai pas envie de prononcer le mot. De la game, c'est juste que là, bah, c'est comme si tu aides les gens, en fait. Qui galèrent un petit peu. Tu les aides, mais... Non, t'es en mode chill, c'est tout. Genre, tu t'amuses avec eux, quoi. C'est tout. Après, si vous voulez monter Honor 3, 4 ou 5, vous pouvez faire cette technique aussi, hein. Y a aucun souci, hein. Genre, y a pas de problème, hein. Et Honor 5... Qu'est-ce que je vais prendre, bordel? Vas-y, y a du soin, vas-y, je vais prendre ça au cas où. Être Honor 3 ou 5, je crois que t'as des wards assez stylés. Et être Honor 4 ou 5, bah c'est stylé parce que sur le 4, tu verras le machin si tu t'es fait honorer la dernière game. Et ça a quand même de la sacrée gueule sur ton cadre, quoi. 20 minutes la game. Alors, normalement, ça prend 10 minutes. Hein. Normalement, okay. La moyenne, c'est 12 minutes en intermédiaire avec des nœuds. Petit GG, well played. Gamebot, Fiddlestick, defeat. Tu sens que c'est un nouveau bot, le Fiddlestick. Et attention, j'ai peur parce que si je vous ai montré ça et j'ai que un honneur, je suis dans la merde. Je vais honorer le Mundo parce qu'il a parlé. La Kessa a pas trop parlé, même si c'était mon ADC. Oh putain. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. C'est bon. Donc là, malheureusement, Kessa n'a pas d'honneur. Je suis désolé. Si tu te sens un petit peu mal, en fait, en faisant ça, si tu te sens un petit peu mal parce que tu vas recevoir tous les honneurs. Donc en fait, tu fais ça, tu fais cette technique 10 fois par jour. Normalement, ça prend 10 minutes, 12 minutes. Ça prend pas beaucoup de ton temps. C'est pour ceux qui sont honor 0 ou 1. Hein. C'est pour vous sauver, hein. Pour que vous ayez les récompenses. Pour que vous ayez les cadres et le skin Orianna. Donc vous faites ça. Alors après, si vous tombez sur des mecs qui font la même technique, je suis désolé. Hein. Si la vidéo, y a des gens qui refait cette technique et vous êtes dans le même truc, désolé.
Et ça marche beaucoup moins bien en 5v5. C'est vraiment en 3v3 où vous pouvez aider les deux. Parce qu'en 5v5, il y a trop de lane, il y a trop de trucs à aider. C'est un petit peu plus compliqué. Mais en 5v5, c'est possible aussi contre les bots. Parce que contre les bots, t'es obligé de gagner contre les bots. Et du coup, les gens, bah, ils sont contents. Ils gagnent. Alors qu'en 5v5, quand tu fais des normales contre des vrais joueurs, si tu perds, la plupart vont faire Alt F4 et se barrer. Bref, du coup, bonne chance pour farmer votre Honor 2, les gars. Ou Honor 5. Et puis, c'est ça. Bonne chance, les gars. Soyez des good guys. Vous êtes capables. Du coup, merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. On se revoit bientôt. On est en stream actuellement. Have fun. Et aujourd'hui, nouveau défi. A plus tout le monde et à bientôt. Ou en live tout de suite. Merci beaucoup.